ne chante pas, mais c'est Noël. Pour moi, ce sera Noël quand je dégagerai d'ici. Dans 345 ans et 10 mois, Joe. Noël, c'est la pire des fêtes. Et le Père Noël, c'est une ordure. Moi, hein, rien que de voir une cheminée, ça me met en rogne. Une cheminée. La voilà, la bonne idée. Une cheminée? Mais pourquoi faire? Ben pour le Père Noël, sinon comment qu'il va nous apporter des cadeaux? Oui, c'est une excellente idée, Joe. Ce sera tellement plus chaleureux. Soit. Mais c'est vous qui la construirez. Oui! Il pille, dévalise, jure, trucide, et pourtant il garde une naïveté d'enfant. Et si vous jouiez au Père Noël pour leur faire plaisir? Ah! Il neige! Tiens le plan. Voilà une truelle et la cheminée à monter soi-même. C'est suédois. Tu nous préviens quand t'as fini. Qu'elle est un peu à l'envers. Ça dépend dans quel sens qu'on la regarde. Tu recommences. Là, elle est à l'endroit, Joe. Avril, au départ, elle devait servir à quoi, cette cheminée? Ben, à s'évader. On y grimpe jusqu'en haut et hop là, on saute par-dessus le mur. Alors pourquoi tu l'as mise en plein milieu de la cour, imbécile? Waouh, une nouvelle niche. C'est pour moi. Merci, Père Noël. Tu vois quand tu veux. Bon, écoutez-moi. Voilà comment ça va se passer. Tu vois ce que je vois? T'en fais pas, mon Emmett, on va lui faire sa fête au gros barbu. C'est bon, on peut y aller. Ah oui, mais comment? En se déguisant en Père Noël? Plouf, plouf, ce sera toi qui feras le Père Noël. Hmm? C'est toi, Avril, oh, pas de bol. Bon, Avril, tu te déguises en Père Noël. Tu vas voir les gardes en leur disant que des cadeaux les attendent dans la remise. C'est quoi ça? La salade? Je me rappelle pas avoir mangé de la salade. Ah bah si, le hamburger de midi. C'est compris. Allez, va t'habiller. Et on va se planquer. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh, les enfants, je suis le Père Noël. Ben, par où il est passé? Ça change rien au programme. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est directeur de bagne? Ça alors, il a réussi. Bon, Avril, tu viens, on s'évade là. Olé! Les Dalton se sont évadés. C'est celui-là le vrai. Mais non, je vous jure, c'est moi. Je suis le Père Noël, le vrai, l'unique. Allez, ça va, Avril, c'est bon. Rentre en cellule ou on te colle au trou. Vous êtes là, les gars? Bon alors, qu'est-ce que tu fiches? On va pas réveiller ici. Oh, il voit rien là-dedans. Y a pas de lumière. Ben si, Joe. Chut, Avril, on va se faire... Alors, Père Noël, on a les boules? Je vous demande de l'humeur. Aucun lutin ne viendra vous chercher ici. On réglera ça plus tard, Avril. Et
sortie? La sortie, mais quelle sortie? Ben celle par laquelle on s'évade. Bah t'es bête, Joe, j'en ai pas fait puisque c'est une cheminée pour de faux. Ça calme. Oh, le Père Noël! Tu es peut-être allé un peu fort là, Joe. Je ne me rappelle pas cette cheminée. Père Noël! Vous m'avez ramené un cadeau? Avril, Avril. Ah, mon petit Avril, voilà. Oh, Père Noël! Et nous, monsieur, on peut avoir nos cadeaux aussi? Joe, Jack et William, je crois qu'il va y avoir un souci. On est désolé, monsieur le directeur. Si on avait su que c'était vous... On réglera ça plus tard. En attendant, vous me rattrapez les Dalton et vous me les recollez en cellule. Je suis fichu, fini. On me confie les Dalton et ils s'échappent. Allons, monsieur le directeur, souriez, c'est Noël. Tenez, si vous ouvriez vos cadeaux. Mes cadeaux? Les Dalton! Exactement ce que je voulais! Oh, merci, Père Noël! Dis-moi, Emmett, tu trouves pas que ça sent le sapin? Oh, oh!